la bonne heure. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Toujours avec Alexandra Lapierre et Alain Doutet. On va parler dans un instant d'Enfleur. Que se passe-t-il Enfleur ? Le festival court. C'est tout court. C'est tout court. C'est un court métrage. Lui ne sait pas faire court, mais il fait passionnant. C'est Patrice Carmouze. Le quiz de Patrice Carmouze. Alors, quelques questions. C'est un peu pour vous, parce qu'il y a beaucoup de foot. C'est un foutage de... Alors, quelle a été, par exemple, la demande bien particulière de l'équipe de France pour l'équipement des salles de bain des hôtels au Brésil, qui recevront justement les Bleus? Qui est 12... des WC séparés. Douche collective. Non. Dans les hôtels. Dans les hôtels. Dans les hôtels, dans la salle de bain des hôtels, ils ont demandé quelque chose... Qui est de la musique. Assez étrange, à mon avis, mais bon. Pas de clim, non? Non. Dans les douches. Y a des télévisions. Non, dans la salle de bain. Dans la salle de bain. C'est pas la douche. Un téléphone. Bah les douches, qu'est-ce qu'on... Alors dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on... Bah il veut des télés. Le wifi, vous voulez le wifi. On prend des bains, on prend des douches et donc... Du parfum. Ah oui, un bidet peut-être, non? Non, pas de bidet, non. Ah c'est dommage. Ils ont demandé un meuble ou ils ont demandé... Non, c'est quelque chose dont on se sert quand on se douche ou quand on prend un bain. Ah, du savon. Du savon, du savon, oui, mais quoi? Ils ont demandé du savon liquide. Liquide, absolument. Ils ont demandé du savon liquide parce que, ils ont précisé, parce que les Français, disent-ils, n'ont pas l'habitude de se laver avec du savon solide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça paraît bizarre quand même. Ils ne savent pas le déballer, c'est pour ça. On sait que les footballeurs ne sont pas habitués au savon solide. Ils sont habitués au liquide, ça. C'est peut-être ce qu'ils ont dit, c'est ça. Là. Les footballeurs sont très habitués au liquide. Il n'y aura pas de ramassage de savonnette cette année au Mondial. C'est peut-être ça. C'est mieux moussé. Cisaillot. Pourtant, Dieu sait que Roselyne Bachelot les a moussés. Oui. Hein. Oui, c'était énorme, elle a dit quand elle était oui, elle c'était énorme. Il y a le président bolivien qui s'appelle Evo Morales, il est président de la République, et puis il va ajouter une autre activité à sa présidence de la République, mais laquelle? Il est paysan. Joueur de foot. Joueur de foot, absolument. Ça reste le foot. 10. Oui, absolument. Ah, vous êtes footteux à l'un Un petit peu. Ah, bravo. Mais il vient de signer. Non, mais c'est marrant quand même. Il a quand même 52 ans. Ah oui, quand même. Hein. Il vient de signer un contrat de footballeur professionnel avec un club. Il aura le numéro 10, un club de première division. Hein, c'est un ancien footballeur lui-même. Hein. Et alors, il va jouer. Il ne jouera pas tous les matchs. Évidemment, il jouera 20 minutes par match. Il va choisir les matchs dans lesquels il va jouer. Ça serait marrant qu'Hollande, je sais pas, signe avec le Paris Saint-Germain. Non, on n'a pas besoin de ça. Non, ça va aller. Il y a eu une vidéo qui est passée où il s'entraînait et tout, et il y a un joueur en face qui lui plaisait pas du tout. Il a filé un énorme coup de pied dans les tibias. Et il n'a pas du tout été censuré. On lui dit non, c'est pas grave. Ah oui, il a tous les droits. Il a un tatan énorme, et l'autre, on l'a sorti du terrain. Le président. Il a fait lancer le président, tout va bien. Normalement, Evo Morales, quand on est président, on est comme une sorte d'arbitre, Alain Doutet, non? Donc on doit faire attention. Bien sûr. Mais le numéro 10, c'est celui qui. Voilà. Mais c'est le distributeur. C'est le distributeur. Ça va un peu loin. Alors ensuite. Allez, encore un foot. Vous me laissez pas le choix. Votre ami Yaya Touré. Ah. Non, il est footballeur au Manchester City. Et alors, il a failli partir de Manchester City avec une raison. Pour quelle raison a-t-il failli partir de cette équipe de Manchester City? Il était, comment dire, il était fâché avec son coach, comme on dit. Non. Il a trouvé qu'ils avaient manqué d'élégance. D'élégance, oui, à son égard. Je crois que j'ai la réponse parce que j'ai triché sur votre ordinateur. Il a souffert de racisme. Non, pas du tout. Je ne sais pas. Pour une fois, je peux avoir l'air enceinte. Allez, ou pas ouais. C'est qu'on a oublié de lui souhaiter son anniversaire. Non. Ah, le gars est susceptible. Non. Susceptible. Alors, il a dit, il a envoyé un tweet. Enfin, c'est plutôt son agent qui a dit, il manque d'élégance à son égard. Alors, l'agent est en train d'essayer de négocier une augmentation de salaire. Tout est bon. Bon, ben merci. C'était Patrice Carmouze qu'on peut retrouver sur RTL.fr. On va marquer. Plus, hein. Moi, j'aime bien. Dès qu'il y a du foot, vous sentez combien je suis investi, passionné. Concerné, je vais pas parler des élections européennes. Bah non, on a dit qu'on va parler ça toute la matinale. Voilà. Déjà, c'est bon.